إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فغن الإسلام سغن الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تغادية إغمية سماء باطنية الله سبحانه وتعالى Celui qui passe au faveur et au permission et peut permettre nous pour continuer avec et nous explications concernant rôle du musulman dans la préservation de la paix dans cet environnement, commençant pas dans cela case, dans cet entourage, dans ce endroit, dans cette société et dans ce pays que les pays vivent. Le musulman, il est bien connu que la paix, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui exige grande récompense, grande reconnaissance de nous pas. La paix, c'est une faveur d'Allah qui exige grande reconnaissance de nous pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous êtes reconnaissant envers moi, لَأَزِيدَنَّكُمْ, certainement, mot pour augmente, veut dire zut dans mon faveur. C'est-à-dire, mon pour augmente mon faveur là, zut. Donc, chers frères et chers sœurs, la reconnaissance, c'est une façon comment pour invoquer Allah pour lui augmenter ce faveur là. Si nous faisons reconnaître que la paix, c'est une faveur d'Allah, soyons reconnaissants envers Allah pour sa faveur là, afin qu'Allah augmente la paix. Afin que Allah augmente la paix, c'est-à-dire pour nous, dans toutes les instances, dans tous les lieux que nous étions. Alors, pour faire nous réaliser, qui apporte le Créateur, nous prenons le droit pour nous adorer, non nier. Ni dans forme du monde, ni dans forme d'animaux, ni parmi les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, les finatiers nous l'attention. La paix qu'il y fait à nous, sur un esclave, jouit à l'eau sur la terre. Une aussi grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux dire, une aussi grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous capables pas montrer reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur? Il peut être grave de nous pas. Ou bien c'est une façon de montrer que la paix n'est pas importante pour nous. Quand nous pas reconnaissons envers une faveur, nous montrer qu'il nous pas besoin de sa faveur. Nous montrer qu'il mais dire, nous ne connaissons pas l'importance de sa faveur là. Ou bien nous ne trouvons pas une faveur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 29, ayat 67, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا هَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Est-ce qu'il ben là, pas fin trouve qu'il nous fait mettre un haram, un lieu sacré, faire référence à Makkah, quand il y a la paix,
Tandis qui autour de lui, Benjamin peut être kidnappé. Dire à l'entour de sa lieu sacré, de la Kaaba, Makkah, alors tiens la violence, tiens, mais dire ben faux, tu peux dominer, ben faible, tiens exploitation. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, est-ce qu'il ben n'a pas fini trouver comment nous fin mettre un haram, un lieu sacré que il a la paix là-dedans. Il dit, dans haram, dans sa lieu sacré là, pas gain droit vers du sang, pas gain droit à la guerre. Tandis qu'autour de lui, autour de ce haram là, ben Jimoun peut être kidnappé. Alors, dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'il ben la poamin iman dans fausseté et je peux faire coufre avec ben faveur d'Allah? Il dit, est-ce que je peux amener iman? Il dit, dans fausseté, je peux continuer dans cette fausseté, et parmi cette fausseté là qu'il y a, il y a un coffre, il y a l'ingratitude à l'égard de faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, ça a été le Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux interpeller ben Quraysh, qui tu peux rébeller contre Allah subhanahu wa ta'ala, et qui tu peux montrer que tu es ingrat contre ce faveur. Attention qu'il y a aujourd'hui, nous aussi nous pétons dans la même situation. Attention qu'il y a aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala peut bénir nous par la paix. Allah subhanahu wa ta'ala peut entourer nous par la paix. Mais aujourd'hui nous peut faire kufr ni'ma. Aujourd'hui nous peut tourner les dos avec sa faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous peut faire kufr avec faveur Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de l'arrogance ou bien nous l'ignorance ou bien la déviation dans lesquelles Shaytan fin emporte nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 106 ayat 3 et 4 toujours concernant Ban Quraysh, concernant Ban qui tu peux vivre dans Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف كي بان لا بيجي بان كي الله سبحانه وتعالى فين في فاضيه لوزت كي زت ادور رب دو سالا كاز لا en même temps nous profite l'occasion pour attirer l'attention et rien qui certaines ban di moun peut faire pe ador sala kaz la li même non sala kaz la c'est ce rob qui nous adore nous pas ador la kaaba. Et ban qui n'a la conception parmi ban non-musulmans, quand je trouve ban musulmans, faire les tours à la case là, à le faire, veut dire, à visite à la case là, à le faire pèlerinage de ça la case là. Non. Ça la case là, il y a un symbole, il y a un édifice. C'est ce créateur qui nous adorait. C'est ce créateur qui nous adorait. Créateur, fin mettre ça la case là, comme un symbole là, pour qui nous adorer. Mais dire à travers ban rite, ça la case là, c'est la case d'Allah. Ça la case là, la Kaaba, c'est la case d'Allah. C'est l'édifice sacré qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne. Mais dire pour qui nous faire sur les tours comme un acte d'adoration. Ce qu'il appelle tawaf. Et nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dire dans sa place là, dans sa lieu sacré là. Mais nous pas adorons place là lui-même. Nous pas adorons la case là lui-même. Nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui, par erreur, l'y aller, l'y a le côté Kaaba, l'y frotte sur l'écho avec sa rosse là, ou bien l'y a la conception qui frotte l'écho avec sa la toile là. Alors, ou bien frotte sur la main, après frotte le sur l'écho, l'y gagne guérison, ou bien l'y pour gagner solution, l'y pour être béni, l'y pour gagner barakat, tout ça là, c'est banéré. C'est banéré. Et. Et n'a des cas, les petits shirks, et n'a des cas, quand les capas viennent grand shirk, alors faire attention. Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner ban Quraysh, fal ya'boudou, alors qui je te fais, ibadat, qui je t'adore, rab de salakaz là, veut dire la Kaaba, qui fait, qui s'en la rab de salakaz là, celui qui fait une donne ban la manger, celui qui fait une nourrisote, fait une approvisionneuse, pour protéger contre la faim. Les fins à cause, les fins d'un jeu de manger, pas protéger contre la faim. Et les fins à cause, ben là, la sécurité, pas protéger
contre la frayeur. Les finacodes, mais dire les fin fait une situation, vient une situation de paix, de sécurité, afin qu'ils soient capables de vivre avec tranquillité contre la peur. Et quand on lit l'histoire, nous vous trouvez qui avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa l'époque qu'on appelle l'époque pré-islamique, alors, veut dire, surtout, beaucoup ban timoun, veut dire, quand tu es en chemin vers le pèlerinage de la Kaaba, alors, veut dire, pas tu n'as sécurité, tu n'as l'insécurité, tu n'as ban caravane, tu n'as ban tribu qui te plie fort, tu peux attaquer ban tribu qui te plie faible. Alors, quand l'islam fin vini, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin vini, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'islam, Allah fin fait la paix régner dans sa région-là. Allah fin fait la paix régner. Allah fin enlève l'instabilité, les fin enlève la frayeur, les fin remplace-li par la paix, les fin enlève ban bala, ban musibat, la faim, et les fin remplace-li par provision, par nourriture. Alhamdulillah. Alors tout ban qui fin des ans al-damakka, je suis capable peut-être une question, une petite chose qui me bise un thé, appelle je l'intelligence, je l'esprit, qui je fin bise un peu, la question, dans un endroit comme un Makka, au milieu un désert, dans un endroit comme un Makka, dans un pays pareil, que nous pas gagner l'appli comme nous donne, dans notre pays tropical. Mais pourtant, alhamdulillah, nous pas manque de l'eau, nous pas manque manger, nous pas manque fruits. Toutes sortes de qualités, légumes, fruits, manger, boire. Alors, tout ça, la sécurité, c'est faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et chers sœurs, un parmi les faveurs qu'Allah fait, l'ONU, et qui nous, Allah réclame reconnaissance de nos parts. Chers frères et chers sœurs, nous pouvons apprendre concernant Fitna Khawarij. Nous pouvons montrer comment l'islam, c'est une religion qui fait provision pour la paix régner. L'islam, ce n'est pas une religion qui invite vers la violence, vers la guerre, vers, veut dire, répandre du sang de nos prochains. Ça, c'est pas l'islam. Mais nous pouvons trouver en même temps, chers frères et chers sœurs, qui, Allah subhanahu wa ta'ala, les houlés de nous, veut dire, qui nous reconnaissant, qui, quand on lit, peut instaurer la paix alentour de nous, peut donner nous, comme ce faveur, pour nous vivre en paix. Alors, nous bien reconnaissant. Sa reconnaissance-là, nous prouve les pas, bonne parole. Mais dire une parole de remerciement, louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, tasbih pour Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous pouvons prendre. Mais dire comment nous préserve la paix parmi nous. Mais en même temps, chers frères et chers sœurs, en même temps, mais dire si nous avons l'ingratitude, mais dire nous n'avons pas vu un élément qui nous fait aller vivre nos priorités, qui nous fait aller faire partie de l'islam, qui nous peut guetter, qui nous a dit monde qui peut travailler pour préserver la paix dans nos sociétés. Mais en d'autres mots, dire, nous pas reconnaissant envers faveur Allah, c'est la même que Allah subhanahu wa ta'ala, comme punition Allah pour enlève la paix de nous. Comment Allah pour enlève la paix? Avec l'apparition de Bal-Khawarij, pour faire Bal-Khawarij gagner le dessus, pour ouvrir ce chemin, pour Allah subhanahu wa ta'ala, non, il n'est pas possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a envie de punir, il punit par n'importe qui moyen, qui l'y trouve, veut dire, qui s'abandonne du monde, qui fin tourne les doigts avec ce faveur, je te mérite, chers frères et chers sœurs. Alors, à cause ça, les devoirs de tout un chacun, chaque musulman en particulier, qui, veut dire, nous fait aller vivre une priorité, qui nous guette, veut dire, qui nous peut pratiquer un islam qui nous peut, veut dire, nous peut aider à préserver la paix dans nos sociétés que nous peut vivre. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et chers sœurs, lui-même lui quand nous guette sur la vie, lui-même quand nous guette sur l'enseignement, comment nous vous trouvez, veut dire dans certains ban hadith encore, veut dire ce effort qu'il fait, pour, veut dire, vin en djimoun, qui guettait à tout prix qu'il la paix être préservée, veut dire, et même, pas seulement, veut dire, parmi ce ban disciple, mais aussi, même parmi, veut dire, ban qui pas chamin iman dans lui. Chers frères, chers sœurs, la paix, c'est une faveur qui nous bisait. Veut dire, comment nous finissons tout le temps dire, nous, insan, nous fait, oui, nous gagnons l'aude avec Allah pour nous faire action, mais nous action pas suffit. Nous gagnons l'aude avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire action, pour nous agir, mais nous pas fiésissons nos actions.
Nous bisons reconnaître qui? Nous bisons l'aide d'Allah. Ensemble avec nos actions, nous bisons Allah son aide. Nous bisons Allah aide-nous pour nous capables réaliser, veut dire pour nous capables atteindre l'objectif de ce qui nous péronnait à travers nos actions. Alors, il n'est pas suffisant, nous peut travailler, nous peut faire action, veut dire pour qu'il la paix régne. Mais nous bisons, demande Allah. Bizet demande Allah, bizet faire beaucoup de dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, bizet demander avec Allah beaucoup qu'Allah préserve la paix parmi nous. Rapporté par Talha ibn Ubaidillah, li dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, li dit trouve la nouvelle lune chaque mois, quand il trouve la nouvelle l'apparition de la nouvelle lune, alors les financiers nous un dua. L'Itchpédia, lui-même, l'Itchpédia, un dua. Guette dans sa dua là, l'apparition de chaque lune. Veut dire, chaque la lune sur l'apparition, c'est qui était indication de un mois. Chaque mois, c'est ça même, nous 12 mois du calendrier de l'année islamique. À la rentrée de chaque mois, guette dua que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma, ahillahu alayna bil yumni wal iman. Wallah. Fais-lui apparaître le nom, ça la lune là. Fais-lui apparaître le nom avec bonheur, avec iman, wassalamati wal islam, avec la sécurité et avec l'islam. L'islam, l'immense parallèle avec la paix, l'islam, c'est la paix, c'est l'islam. L'islam, c'est la paix, c'est l'islam. Quand peine à la paix, peine à l'islam. Quand peine à l'islam, peine à la paix. L'islam et la paix, c'est des choses qui sont ensemble. Parce que l'islam, c'est l'islam qui produit la paix. L'islam, c'est une religion qui a fini d'instituer pour que les gens puissent vivre en paix. Ou enlève l'islam, ou puis enlève la paix. Ou enlève la paix, ou finalement enlève l'islam. Chers frères et chers sœurs, dans le dua, la continue ensuite, il dit Rabbi wa Rabbuk Allah, Murab et Turab. C'est Allah. C'est-à-dire, oh la lune, Turab et Murab, c'est Allah. Donc, au commencement, à l'entrée de chaque mois, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux demander à Allah la paix qui fait. Si pas tu es important pour nous, si pas tu as la crainte qui sur les contrées attrape nous, qui la frayée à la terreur attrape nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'y garantit-li. Allah t'y garantit-li. Le bien-être, le bonheur, c'était Rasulullah. C'était le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était celui qui partait la barrière entre lui avec Allah. C'était celui qui, quand tu as envie de demander, l'il au mimbar, quand on a pu dire ya Rasulullah, la cesse respect détruit partout, l'élève cela mais lui demander, Allah faire une qualité, la pluie tombée, qui s'émène ensuite. Ça même dit mon la lirote d'Amazdi, dit ya Rasulallah, trop beaucoup la pluie. Ça peut faire nous dire, oh, il lève cela, mais il demande avec Allah, oh Allah, fait la pluie avec tombé. Ça, Muhammadur Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, l'île qui trouve l'importance, demande Allah la paix. Comment est-ce que nous pas trouvons ça l'importance là? Alors, ensemble avec nos efforts qui nous font pour préserver la paix, nous combat contre Ban Khawarij. Nous combattons pour ne pas accepter la dawa de Ban Khawarij, pour ne pas coopérer avec Ban Khawarij, pour ne pas donner notre raison. Quand je te invite vers sa fitna là, tout cela c'est nos contributions de préservation de la paix. En même temps, nous demandons à Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous le dessus, les autres fitna. Qu'Allah donne-nous le dessus, qu'Allah fait la paix, régner l'eau tout fitna, en particulier fitna, veut dire de ban kitoui la paix, fitna de ban khawarij, chers frères et chers sœurs. Parmi ban dua, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance et nous, pour demander, celle-là nous fait trouver une fois dans un mois, à l'entrée de chaque mois, comment on trouve la lune, nouvelle lune, liée à sa dua là, demande à Allah la paix. Maintenant, tous les jours, quotidiennement, ou bizarre gay traka, ou bizarre gaité qui veut dire, ou l'entourage lui en paix, afin qu'il soit capable, honor ou l'engagement envers Allah, honor ou l'engagement envers Ban Jimoun, honor ou l'engagement envers, veut dire, honor ou l'engagement envers Allah à travers ou Ban devoir, chers frères et chers sœurs, parmi Ban Adhkar,
matin et soir. Et n'a un dhikr que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. C'est un dua. Allahumma, inna nas'aluka al-afiyah fi dunya wal-akhira. Allahumma, inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi din, fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans sa dua là, il enseigne, nous pour dire Allahumma, Allahumma ahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ensuite, Allahumma stur awrati wa amin rawati. Si tu prends de traduction dua là, réfère à ben livre Adhkar et dua. Je peux gagner dua là-dedans, je peux gagner traduction là-dedans. Livre dua profitable, et un dua là-dedans, et une traduction là-dedans. Livre, c'est un dua profitable. Allahumma stur awrati. Tous les jours, le matin, ou bizet demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Walla kashyet mouban défaut. Wa amin rawati. Et donne-moi la sécurité dans ban moment. Dans ban moment qui m'opère. Accorde-moi la sécurité dans ban moment qui m'opère. Mais dire quand un djimon père, c'est quand il n'est pas en paix, quand il n'est pas en sécurité. Quand la paix finit est enlevée à l'entour de lui. Alors tous les jours, Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance et nous, demande-toi avec Allah. Pour qui Allah préserve la paix à l'entour de nous. Car qu'il aussi sac djimon, il peut faire dua avec Allah. Qu'Allah préserve sur l'entourage. Alors c'est tout à c'est une société. Et si chaque société, mais dire chaque l'endroit sur Banjimon, peut demander à Allah pour préserver la paix dans cet endroit, pour préserver la paix dans cet masjid, pour préserver la paix, mais dire en général, nous pouvons trouver qui, mais dire, nous peut demander à Allah pour préserver nos pays. Nous peut demander à Allah pour préserver nos pays. Chers frères et chers sœurs, connais qui l'islam, ce qui montre nous encore l'importance et valeur, la paix. Ce qui nous bizarre connaît qui l'islam, c'est une religion qui condamne la terreur. L'islam, c'est une religion qui condamne la terreur. L'islam condamne fermement, sévèrement, catégoriquement le terrorisme. L'islam n'a rien à faire avec le terrorisme. Aujourd'hui, c'est une accusation. C'est une accusation qui fait une faire à l'égard de sa jolie religion noble, la religion d'Allah, la religion de Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui c'est une religion qui prône le terrorisme. Inch'Allah, l'ivine est important, l'ivine obligatoire. Nous pas pour capable, termine sa sujet. Fitna khawarij, excepté qui? Nous pas pour capable, mais tous les faits devant eux. Mais au moins, nous donne aussi qui est important afin que vous comprenez comment l'islam n'a rien à faire avec n'importe qui groupe, qui l'organisation, qui individu, qui engage-les dans le terrorisme. L'islam, c'est le contraire du terrorisme. L'islam, c'est l'enseignement, finvin pour combattre ban terroriste. Dans la astéla, ça, nous pour cause l'ola, en particulier concernant le terrorisme, lui-même, la astéla, nous pésis montrer où, comment. Mais dire, l'islam, c'est une religion qui prône la paix parce qu'il condamne la terreur. À qui point, même en badinage, l'islam, pas permettre moi comme un musulman, en badinage, effraye un djimon, juste pour gagner un petit plaisir. Ça badinage qui beaucoup parmi nous faire un djimon gagne paix après, juste pour nous capables, nous-mêmes nous rier après nous faire les autres rier. Jusqu'à ça l'islam condamné. Jusqu'à ça, il n'est pas permissible dans l'islam.
Réfléchis, chers frères et chers sœurs, au ce qui vous pétendez. Comment est-ce qu'il y a une religion qui est en badinage pour ne pas permettre moi, pour effrayer un démon? Comment est-ce que sa religion-là est capable de permettre moi vers 10 ans un humain? Tout est un humain. Les paroles dans l'esprit. L'islam pas fini s'enseigner nous pour qu'il nous cherche protection contre la peur, mais il finit même enseigner nous pour qu'il, même en badinage aussi, ne pas faire nos frères gagner peur. Rapporté par Abdurrahman ibn Abi Layla dans un hadith qui trouve dans Musnad Ahmad, il dit: c'est un compagnon du messager d'Allah. Il raconte nous qui, Banna, tu peux voyager avec le messager d'Allah. Une personne parmi Banna fin dormi. Et un certain parmi Banna final vers une flèche. Qui, tu es avec sa personne qui tu peux dormir là. Il dit, je dois voyager. Alors, un dimon final dormi. Je dois un moment où on a arrêté pour reposer. Un dimon parmi Banna final dormi. Et ça, du monde qui n'a le dos, là, alors il tient une flèche contre lui, un parmi ce ban camarade, fin vin contre lui, fin vin vers sa flèche là, il fin prend sa flèche là. Quand sa personne a fin réveillé, il fin gagne peur. Une flèche, c'est un homme, capable qui tienne une prend ça. Alors, capable, alors il peur, ce homme côté. Ban Jimon fin rier. Ban qui peut trouver, qui peut guetter. Je fin rien, une plaisanterie, une force. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demander: qui peut faire ce guerrier? Ban la fin dire: non yé, excepté qui nous fin prend un tel sur flèche, et alors le fin gagne pire. Nous connaît, c'est un badinage qui nous habitué faire. Dans la case. Entre les membres de la famille, entre camarades, le chemin, dans l'école, dans le travail. Nous cachons ce plim, nous cachons. Et ce qu'il y a dans le masjid, il cachait sa voix de son camarade, après il cache une pause d'eau, après, bon Dieu, comment dire, il déstresse un petit guide. Donc, il y a une petite chose qu'il nous trouvait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande: mais qui veut se périer? Alors, il dit: il finit de cacher un tel sur flèche, alors quand il levait l'ingé, il pire. Ça il fait nous guérir. Alors le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finit dire: il n'est pas permissible qu'un musulman faire un musulman gagne peur. Je finis de cacher ce flèche, je ne fais rien gagne peur. Pourtant, tu as une plaisanterie. Jusqu'à ça la frayer, ça tire la frayer. Qu'ils se mettent dans l'équerre sa frère musulman là. Qu'ils se mettent dans l'équerre sa dîmon là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit désapprouver. Fin dire pas gagné droit, les pas permissibles, qu'un musulman, les faire un musulman gagne pire. Calcul ou sa religion là, jusqu'à si ça quitte chose là, les ne déclare pas gagné droit. Parce qu'il y a dit tôt là-dedans. Parce qu'il y a dit tôt, il y a beaucoup dit tôt là-dedans. Combien de fois sa plaisanterie là, il finit par tout mal. Il est en colère, il lève la main. L'indiaban gros mot. Ça finamène l'ennemi. Alors, si fin mal terminé, il n'a du tout là-dedans pour du monde. Get l'islam, get sa religion. Religion divine préparée par le Créateur qui connaît nature insane. Qui connaît nature du monde. Ce ban l'enseignement. C'est parce que sa créature là, c'est lui créateur de sa insan là, de sa djimoun là. L'icône faiblesse sa djimoun là, l'icône qui quitte chose, qui bon pour lui, qui quitte chose, qui pas bon pour lui. Chers frères et chers sœurs, nous connaissons très bien qui la terreur, ces hommes, la terreur aujourd'hui, le terrorisme aujourd'hui, qui nous peut détailler, Inch'Allah, après, la terreur aujourd'hui, c'est un homme. Ces hommes de ban dominés, ces hommes de ban tyrans, pénanant islamique dans la terreur, servi, veut dire terrorisme, ban djimoun,
Faire ban jimoun vivre dans la peur. Zispor en parole. Zispor en call téléphone. Te mettre un groupe jimoun dans une situation de frayeur. Par exemple, un jimoun faire un call anonyme. Veut dire, un faire un call anonyme. Par exemple, il dit, mon fils met un bombe. Jusqu'à ça, même il peut plaisanter. Est-ce que dans la loi, une salle n'est pas permissible? Est-ce que dans la loi, Jimon n'est pas permissible? Parce qu'il nous tout connaît, qui dit tout est là-dedans. Comment il déstabilise un groupe Jimon? Quand personne ne peut informer, on peut dire une cause qui vous connaît, intentionnellement, on peut faire des gains pire là. On peut faire des gains pire par sa cause là. Ça, c'est pas qualité de celui qui a iman en Allah. Mais ces qualités de ban tyran, ces qualités pharaon, ces mentalités pharaon, ces ban partisans pharaon, ban qui servit parole, ou bien qu'il y a à travers n'importe qui moyen médiatique, ou bien avec d'autres hommes, ou bien par d'autres présence physique, qui fait du monde gagne pire. Qui terrorise ban jimon innocent. Ça c'est ban suiveur de ban tyran comme un pharaon et ce semblable. Allah dit dans sourate 10 ayat 83: Fama amana li Musa illa dhurriyatun min qawmi ala khawfin min fir'aun wa mala'ihim an yaftinahum. Personne pas finalement iman l'eau Moussa, excepté certains descendants de ce peuple, avec la frayeur pour Pharaon et Xoban notable. Trouvez ça, c'était qualité pharaon, ça. Pharaon, Dimon, Gaï, Père, terroriste Dimon, menace Dimon, par la violence. Attention qu'il y mette ban la daban, daban épreuve. Quand Moussa, alayhi salam, tu être, mais être quand Pharaon tu challenge Moussa, tu mets un rassemblement et quand il perd du face et quand Manjimoun peut exprimer, je te veux pour accepter, mais dire Moussa alayhi salam ce message, je te fais une gaille conviction, je te fais une gaille confiance dans Moussa ce créateur. Alors Pharaon fin terrorise, fin menace. Mais dire, les filles menacent Zut, qu'il peut servir la violence contre Zut. Alors ça, c'est qualité de ban tyran. Mais dire, la tyrannie et la terreur, il n'y a pas une affaire avec l'islam. Il n'y a aucun prophète. Pas fin n'existe aucun prophète. Depuis le premier prophète jusqu'à le dernier prophète, pas fin n'existe dans la vie ban compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Parfait existe dans la vie de ban qui suivent le ban noble compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui se fin servi la terreur pour inviter vers l'islam, pour convaincre du monde pour accepter l'islam. Jamais fin existe la terreur, jamais fin être servi pour la propagation, dans la propagation de l'islam. La terreur fin servi, oui, par ban du monde qui tient à ban les autres motifs. Pas ban qui ne dévié, pas ban assoiffé du pouvoir, pas ban qui t'y gourmand, pas capable territoire de ce prochain, richesse de ce prochain, ça ban là qui ne servit la terreur, ça ban là qui ne servit la terreur, pour imposer l'autorité. Mais malheureusement, je fais une servi le nom de l'islam, je t'encoupe et servi le nom de l'islam. Alors nous dire, oh et faux, qui sa ban jimoun là, c'est ban jimoun qui, injustement, je peux servir les appellations de sa religion noble qui signifie et qui symbole de la paix. Alors, l'islam n'a rien à faire avec sa ban jimoun là. L'islam n'a rien à faire avec ban jimoun, avec tout sa ban jimoun qui fin faire croire que l'islam, c'est une religion qui prône la guerre,
Alors, chers frères et chers sœurs, nous pas considérer sa bonne qualité du monde là comme un héros dans l'islam. Nous pas considérer sa bonne qualité du monde là comme un qui peut combattre dans le chemin du Créateur parce qu'ils sont loin avec les principes de ce qu'appelle le combat, de ce qu'appelle le djihad dans l'islam authentique. Chers frères et chers sœurs, comment nous préserve la paix? Comment nous pouvons jouir à la paix, sa faveur de la paix là? Alors, nous finissons trouver qui, après qu'il nous finissons comprendre l'importance et nous finissons une vertu, nous finissons comprendre que c'est une faveur d'Allah. Alors, comment pouvons jouir à sa faveur là? Nous pouvons jouir à sa faveur là par vin ban bon esclave d'Allah qui est un iman qui fait une bonne action. Voilà un moyen, une façon comment nous pouvons jouir à la paix. Un bon la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, un bon iman qui pas mélangé avec kufr, qui pas mélangé avec shirk. Mais le khawarij de l'iman, il corrompu avec kufr, il corrompu avec bid'a. Alors, un iman pur, un iman accompagné avec tawhid et un peut manifester d'après sunnah authentique du prophète Ali salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à nous dans le Coran dans plusieurs places, montre-nous comment iman c'est une source, un bon iman pour aider nous pour jouir à la paix depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, dans surah 6 ayat 82, Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina amanu wa lam yalbisu إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بان كيفين أمن إيمان إجت بافين ملازت إيمان avec ظلم avec شرك سي سبان لا كي بوغاي لا سيكوريتي اي زت كي بان بيا غيدي بان كي نامن إيمان اي بان ملازت إيمان avec ظلم ظلم à la tête c'est شرك et tout bonne forme de l'injustice سبان لا اينا لا سيكوريتي بو زت اينا لا بي بو زت. Et c'est ça, Manla, qui finit d'être bien guidé, chers frères et chers sœurs. Et nous arrêtons là pour aujourd'hui, Inch'Allah, la continuité dans nos sessions de demain. Et Inch'Allah, nous pouvons terminer cette chibout. Comment jouer à la paix depuis Allah? Et demain, Inch'Allah, nous pouvons prouver comment l'islam, l'inapé, n'a rien à faire. Et, veut dire, avec le terrorisme, comment c'est une accusation pure à l'égard de sa jolie religion, qu'appelle l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et augmente nos connaissances, les accorde nous la compréhension, les guide nous vers le droit chemin, les protège nous contre l'égarement, les protège nous contre Shaitan, les tout ce man agent dans forme d'imoun et dans forme djinn. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nous erreur. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.